le message, tout ça, on a répondu. Et il a envoyé notre message, on a répondu. Et il a dit qu'il avait besoin du bip. Non, on commence par le commencement. On a notre frère. Là, c'est Laurent. On a notre frère Élisée qui allait au Cameroun. En allant là-bas, il allait dans une librairie chrétienne voulant, puisqu'il a la Bible, chercher une couverture pour sa Bible. Quand il va, il entre avec. Ceux qui étaient dans la librairie se sont retournés des matins. Mais d'où sort cette Bible-là? Elle vient d'où? Il a le temps de l'expliquer. Il dit, c'est la Bible, je viens de comme ça. Le Seigneur a permis, et en plus, elle est gratuite. Un monsieur était loin alors. Il s'est rapproché, il dit, dites-moi monsieur, je suis pasteur. La Bible, là, il me faut cette Bible. C'est une Bible d'études, il me la faut. Et c'est comme ça que 3 ou 4 personnes sont au groupe de lui pour demander la Bible. Et cela veut dire que, s'il vous plaît, appelez-le, dis-le ici, là. Nous, on a besoin de ça. Et celui qui fait le commentaire tout à l'heure, là. Et il y a aussi des prisonniers, pareils aussi, qui ont envoyé des messages via TV de vie. Il se passe beaucoup de choses avec cette Bible-là. Des pasteurs en Angola, au Congo, ici, là, se l'arrachent. Ouais. Seigneur, bonsoir à tous. Il est en prison au Cameroun. Merci Seigneur pour avoir permis que le frère puisse honorer à sa promesse qu'il m'a faite. Je rends grâce au Seigneur pour cette merveilleuse parole, pour cette Bible que j'ai reçue aujourd'hui. Car à travers le téléphone je voyais, mais par la grâce de Dieu aujourd'hui je l'ai entre mes mains. Pasteur, cher grand frère, je suis vraiment ému, ravi pour vous dire merci. Pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Seigneur puisse ouvrir les portes afin que cette parole, cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde entier. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Il est heureux. Et en plus, il y avait aussi... le même frère aussi allait remettre une Bible à une femme qui est commissaire là-bas. Là. Et quand elle arrive dans la Bible à la commissaire, elle avait toute une file qui attendait. Elle a commencé à lire la Bible. Elle a oublié qu'il n'y avait personne, la personne en face de lui. Elle était perdue. Elle a fait 15 minutes, elle était dans la Bible. Après, il dit, excusez-moi, j'avais oublié que vous étiez là, hein, parce que j'étais pas du... Il dit, vous avez des personnes. Je suis désolé, mais franchement, il faut que je la lise. Il faut que je la lise. Donc, effectivement, la Bible, là, elle ouvre les yeux. Et elle délie plusieurs personnes. Hein. En plus, comme elle est gratuite, là, les gens ne se rendent pas compte. On ne se rend pas compte de la grâce, ce que nous avons entre les mains, là. Prenons-en soin. Gloire au Seigneur. Voilà. Ça fait des belles choses en tout cas ici. Là. La couverture, oui. Et il faut voir les demandes aussi en Haïti. Hein. Oh là là. Ah bon, hein? Ah bon? Ok, ils volent même les bibles, quoi. En fait, ça, mais ça c'est partout en même temps. C'est partout. Voilà. Seigneur, merci pour cette soirée, merci pour ta grâce, merci pour toutes ces choses que tu accomplis. Merci pour ta fidélité, merci pour les âmes que tu sauves. Père, au nom de Yeshua, enseigne-nous encore et encore et encore, Seigneur. Merci pour l'évangile, merci pour la foi, merci pour ta fidélité envers ton peuple, envers nous, Père très saint. Au nom de Yeshua, tu es vivant et nous confessons notre appartenance au royaume des cieux. Béni sois-tu, toi qui es. Qui était, qui vient. Au nom de Yeshua, notre roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez appris des choses là pendant ces jours d'enseignement? Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris? Ce que le Seigneur va faire pour frapper les méchants. Tout ce qu'il fera dans les derniers temps pour frapper les méchants, pour vraiment leur montrer que c'est lui le roi. Amen. Alléluia.
C'est bien. C'est tout? Oui. Tout est écrit. Ouais. C'est celui qui comprendra. Ouais. C'est celui qui connaîtra son Dieu, comme dit son Elohim, comme dit Daniel. D'accord. Qui sera sauvé et qui va évoluer quoi, avec le Seigneur, et qui va s'attacher au Seigneur, en fait. Parce que donc, il est venu pour nous sauver, et il faut qu'il ouvre notre esprit, notre intelligence, afin que nous puissions saisir dans quel temps nous sommes, et que nous puissions avancer, puis éclairer les autres, en fait. Éclairer les nations. Voilà. Amen. Oui, tu voulais parler? Ok. Moi, en fait, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'était par rapport à l'illumination. Je confondais la révélation et l'illumination, donc je ne faisais pas la différence. D'accord. Et j'ai pu, grâce aux enseignements, comprendre que, en fait, que, quand on est illuminé par l'éclairage de la parole et non pas que c'est une révélation. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu suis les enseignements? Ça fait à peu près trois ans. Trois ans. Et comment tu as découvert ces enseignements? Comment tu les as découverts? C'était par une sœur. Par une sœur. Une sœur. C'était pas un choc la première fois que tu as écouté? Si. Ouais. Oui. Ok. Et les gens qui te connaissent, les autres chrétiens quand tu les rencontres, comment, qu'est-ce qu'ils disent un peu? Comment? Les gens qui. Les enseignements que tu reçois. En fait. Moi, on m'a dit que je suis perdue. Ok. Moi, dans ma famille, on m'appelle maman pasteur. Waouh. Oui, on m'a dit que j'étais perdue. Et pourquoi puis... Pourquoi? Parce que tu ne donnes plus parce la dîme. Parce que je vois les choses différemment. D'accord, très bien. Parce que oui, je ne donne plus la dîme. Et puis, il trouve que je suis dure. D'accord. Et bien, c'est ça. Ok, wow. Et une fois, si je peux me permettre. Bien sûr, bien une sûr. Une fois, je sais que j'étais partie. J'avais eu un accident de voiture, une panne de voiture. Et du coup, je partais chez ma maman et je l'avais appelée pour qu'elle vienne m'aider. Et du coup, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, est-ce que ton Dieu, là, c'est lui qui t'a aidé, là, maintenant? Et j'ai rien dit. Moi, dans mon cœur, je savais que c'est le Seigneur qui a permis même qu'elle arrive là pour m'aider, en fait. Mmh. Et puis, quand j'allais chez elle, quand je priais la nuit, c'était compliqué parce qu'elle me disait « Ah, tu pries tous les temps, tu pries tout le temps, tu pries tout le temps. » Et c'était pas évident. Après, un jour, elle m'avait renié à cause de ça parce que la sœur en question... il y avait eu des problèmes parce que c'était une sœur à ma petite sœur dans le monde avant, après. Une sœur à ta petite sœur? Oui, parce que ma petite sœur, cette sœur-là, elle était une amie à ma petite sœur. Okay. Et puis, quand je l'ai vue et qu'on s'est parlé, moi, j'ai dit qu'il n'y a que le Seigneur pour la transformer comme ça parce que je sais qui elle était avant. Okay. Et comment elle a changé, comment elle s'est transformée. Et du coup, c'était le choc que j'ai vraiment eu. D'accord. Et c'était ça. Et quand je priais, ma mère, elle m'a dit, « Oh, par rapport au fait que tu parles avec cette fille-là, tu n'es plus ma fille. » Et du coup, j'ai commencé à prier. J'ai dit, « Seigneur, ce n'est pas le but. Ce n'est pas que d'avoir les problèmes avec ma mère. Et si tu es, et je sais que tu es Elohim. » Et touche le cœur de ma mère. Et le lendemain, on s'est réconcilié avec ma maman. Ah, ben voilà, Seigneur. Elle est baptisée? Oui, elle est baptisée. Ouais, ben c'est bien. Ah, ben voilà, Seigneur. Voilà, voilà. Alors, nous parlons de la prophétie. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de quoi hier? De l'obscurité. Qu'est-ce qui peut nous dire, nous résumer un peu ce qui a été dit hier? Ah bah ouais. On va te passer le micro. C'est bien. On a dit loin des choses. C'est le monde. Le verset clé qu'on a utilisé, le verset de base, c'était lequel? De Pierre 1, le verset 19. Très bien. Très bien. C'est ça, hein? Ouais. C'est bon, hein? Je voulais rajouter? Ou t'as la pression?
Et puis après, l'avènement de l'homme impie. Il y a combien d'avènements? Deux. Le premier, c'est lequel? L'homme impie. De l'homme impie. Et après, le Seigneur avec la parousie. Très bien. Très bien. Ah, ben que le Seigneur soit béni. Oui. La prophétie, ouais. La prophétie, ouais. De la Bible. Ok. Faut pas négliger, faut tenir compte. Plus la parole, parce que ce qui est écrit dans la parole, les témoignages du Seigneur et la prophétie qui est dans la parole, on doit tenir plus beaucoup. On doit tenir compte de ça que de. C'est ça. Écouter les prophéties que deux fois ça trompe les gens là. C'est ça, effectivement. C'est beaucoup de chrétiens courent plus derrière les prophéties des hommes que derrière la parole prophétique. Ouais. Ben, t'as vu? Partout, oui. Attends, on va te passer le micro. C'est, tu sais que ce que tu viens de dire, c'est dans la Bible? Mais oui, je sais, justement. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup les prophéties. Je lis tout, j'écoute beaucoup Apocalypse. Ok. Et je dis, mais Seigneur, mais tu es vraiment, vraiment à la porte. Parce que les jours passent tellement vite. Je me couche, je regarde l'heure, je vois déjà 2h30 du matin, c'est l'heure de me réveiller. Je dis, mais Seigneur, mais je viens d'aller me coucher. C'est pas possible. Chaque fois, je regarde les catastrophes partout, la grêle, surtout beaucoup, hein, beaucoup d'eau, beaucoup de grêle. J'ai dit, Seigneur, la Martinique, ma petite Martinique, s'il te plaît. Et je sais que ça va arriver. Mm-hmm. Parce qu'on a déjà eu pas mal de choses sur la Martinique. Mm-hmm. Ouais. Donc, alors, un petit mot pour les frères et sœurs de la Martinique qui nous écoutent là. En tout cas, Tchébéret Pamboli, le Seigneur, il est à la porte. Mm-hmm. Tout ce que je peux vous dire, ouvrez votre cœur parce que ce n'est plus le temps de la fête, de l'amusement. Mm-hmm. C'est le moment vraiment de vraiment s'accrocher au Seigneur, mm-hmm. de vraiment lui tout lui donner en fait. Tout. Avant, je faisais ma sieste, je disais, bon, je vais faire ma sieste. Ma nièce me dit, si Yoshua veut, je dis comment si Yoshua veut, je vais faire ma sieste. Mm-hmm. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, je ne fais pas de sieste. Mm-hmm. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, je vais à l'enseignement. S'il te plaît, permets que je puisse faire ma petite sieste. J'ai fait la sieste, j'étais contente, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, merci. Ah non, mais il est trop bon. Il est tellement bon, je me bats avec mon fils à cause de vous. Mmh. Frère Shoa, il ne supporte pas votre voix. Ah bon? On va prier pour lui. Et ça, oui, va aller. Dès que je dis, il me dit, mais maman, comment tu peux croire à quelqu'un que tu n'as jamais vu? J'ai dit, tu ne le vois pas, moi je le vois dans ma vie. En parlant du Seigneur, bien sûr. Oui, oui. Mmh. J'ai dit, tu ne le vois pas, mais moi je le vois. Mmh. Il me dit, mais. Et des fois, il me dit, qu'est-ce qu'il dit encore là, lui? J'ai dit, attends, tu ne veux pas l'écouter, mais tout le temps, tu viens pour voir ce qu'il dit. Il me dit, c'est un gourou. J'ai dit, un gourou, et je suis souvent chez moi. Quel gourou, tu es chez toi tout le temps? J'ai dit, mais c'est un bon gourou, parce que ta maman, regarde, elle ne crie plus. Uh-huh. Elle est calme. Toi-même, tu me dis, qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu ne parles plus, tu dis rien. Je lui dis, Yoshua, il est bon, Yoshua. Ah ben... C'est grâce à Yoshua. J'ai dit, justement... Tous ces enseignements-là ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mmh. Donc, bénis le Seigneur et bénis le gourou. Amen. Il a quel âge? 33. 33 ans. On va le former bientôt. On va le former, tu vas voir. Avant la fin de cette année, tu vas voir. Il va suivre les enseignements. Là. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est lui qui a le côté congolais aussi, non? Oui, c'est lui. Ben alors, c'est bon. En plus, on est... Ben c'est non, c'est bon. Ça, c'est un bon signe. C'est comme ça qu'il va être touché. Amen. Mm-hmm. Attends, on va passer le micro. Ouais. J'ai dit, il n'y en a aucun. Mm-hmm. J'ai dit, regarde les autres. J'ai dit, moi, ce qui m'a touché, c'est l'amour qu'il a pour son prochain. Mm-hmm. Et c'est vraiment, à part le Seigneur, personne ne peut faire ça. Mm-hmm.
J'ai dit, regarde, chaque fois, il y a des trucs, je lui montre. Hein. Mm-hmm. J'ai dit, regarde, tout ça, là, c'est qui? Qui peut faire ça? Mm-hmm. Qui peut faire ça? J'ai dit, non. J'ai dit, moi, ça me fait mal, parce que je n'aime pas quand on dit des choses sur quelqu'un, mm-hmm. quand c'est faux. Mm-hmm. Donc, ça me, même si c'est mon fils, j'ai dit, tu vois, David, s'il te plaît, tu ne veux pas croire, ça, c'est toi. Mm-hmm. Mais laisse-moi avec mon Seigneur. Amen. Laisse-moi avec mon Seigneur, parce que moi, je veux être sauvé. Mm-hmm. J'ai dit, toi, tu es jeune, tu vois, la vie est comme ça. Mais j'ai dit, en tout cas, ne va pas dire que tu n'as jamais entendu. Mm-hmm. Ne va pas dire, mais je ne veux pas que tu dises des choses si tu n'as jamais parlé avec la personne. Parle avec la personne, discute, et puis après, tu fais ton jugement. C'est ça. Mais on ne peut pas dire des choses sur quelqu'un qu'on a... Moi, je ne supporte pas ça. Mm-hmm. Ça m'irrite, ça m'irrite, ça m'irrite. Quelle que soit la personne, mm-hmm. quand je vois des choses sur Internet... J'ai dit, Seigneur, heureusement que je ne suis pas Elohim. Parce que il se... C'est vrai, je me dis, mais heureusement que je ne suis pas Elohim. C'est ça. Parce que ça me fait mal de voir qu'on est en train de dire des choses sur quelqu'un qui fait des choses que vous ne faites pas. Faites. S'il n'y avait pas Yeshua, vous croyez que vous auriez pu faire l'hôpital là? Jamais de la vie. En Afrique. Non. Jamais. Non, c'est sûr. Quand je vois tout ça là, on ne peut que bénir le Seigneur. Tout à l'heure, on va vous montrer le matériel qu'on a reçu. Là, oui, j'ai vu. Impressionnant. Oui, j'ai dit, mais il n'y a que lui. Il n'y a que lui qui puisse faire ça. C'est ça. Et je sais, au fond, vous savez ce qui s'est passé? Une fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tout le temps, tu me montres ton serviteur. Je veux te voir, toi. C'était fini. Il n'y avait ni serviteur, ni Seigneur, ni songe. Rien. Pendant longtemps, j'ai dit, papa, pardon. Pardon. J'ai fait le malheur de Dieu, j'ai dit, ouais, mais ton serviteur, mais moi, c'est toi que je veux voir. Il n'y avait rien, plus rien, frère Shoa, mort, silence complet. J'ai pleuré, j'ai dit, papa, pardonne-moi, je ne savais pas, pardonne-moi, visite-moi comme tu veux, lui, pas lui, peu importe. Il est revenu, au fur et à mesure. Merci Seigneur. Amen. Il ne faut jamais dire ça. C'est ça. Que le Seigneur soit béni. Ben, il se sert des images de ses enfants. Pour nous parler. Nous, on rêve aussi de frères et sœurs qui viennent nous parler, et c'est le Seigneur, en fait. Voilà. Donc, c'est beau. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans les coulisses, et on n'en parle pas forcément. Là, par exemple, nous sommes en train de nous organiser pour envoyer de l'argent à une famille de missionnaires qui se trouve, qui a quitté les îles pour l'Afrique, et ils ont besoin de renouveler leur visa. Et ils sont... nombreux, donc on s'organise, on a déjà une partie et on doit leur envoyer ça. D'ailleurs, on va se voir tout à l'heure pour te remettre cet argent qu'on a pu récolter. Donc vous voyez ce que le Seigneur fait dans les coulisses, le nombre des personnes qui sont soutenues ici et là, le nombre des jeunes pour qui l'on paye la scolarité et des logements. Il y en a, on prend des logements pour eux et on les loge. Et à part les orphelins, mais il y a pas mal de cas comme ça qui sont gérés. Et pendant quelques temps, d'ailleurs, on va voir aussi pour envoyer... tiens, Serge, tonton Serge, est-ce qu'on peut appeler le frère à qui on a envoyé l'argent pour nourrir les pauvres du Togo, là, c'est à 300 km de Lomé. Tu vois ce numéro, hein? On va lui faire une surprise. Demain, on va pouvoir leur envoyer un peu d'argent pour leur venir en aide. Ça fait quand même quelques temps. Donc vous voyez, c'est des cas comme ça qui sont, que l'on gère dans les coulisses. Et les offrandes que l'on reçoit ici, qu'on fait, comme vous le savez au sein des coulisses, tac, ça part dans tout le sens, partout. Voilà. Tac, en Haïti, il y a des besoins, hop, on l'envoie. Dans tel pays, il y a des besoins, hop, ça part. Et la dernière fois, c'était un monsieur français qui venait chez Emmaüs à côté pour récupérer des denrées alimentaires. Et c'est un inconverti, mais vraiment démuni. Et sa femme venait d'accoucher. Et le bébé n'avait même pas de lait. Pas de lait, rien. Et à côté, c'était fermé. Et moi, j'étais au bureau. L'esprit m'a poussé à sortir. Et puis, je l'ai vu passer avec son caddie, son chariot. Donc, on l'a fait rentrer. Voilà. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Voilà. On a chargé son cas, il était dépassé, il pleurait. Hein, presque, hein. Et puis, l'esprit m'a poussé à lui demander s'il avait de la viande. Et non. Et puis, on lui donne de l'argent pour la viande et il a fondu. Et là, je lui dis, c'est la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me dit, merci Seigneur, merci Seigneur. Il disait ça. C'est beau.
Vous voyez, tout ça, là, c'est l'évangile. Voilà. Il n'en revenait pas. Ah ben là, ça va. Il faut voir le nombre des frères et sœurs qui viennent se servir à un côté, hein, mais, dans notre épicerie. Hein, il y a des besoins, hein, c'est fou. Oui. Ouais. Moi, je suis le témoignage. Amen. Moi, je quitte Saint-Denis. Je viens là pour me servir. Wow. Et depuis certains moments, ça fait 2-3 ans, je traverse des moments difficiles dans ma famille. Mais grâce à cette épicerie, ça nous a beaucoup aidés. Amen. Ça nous a beaucoup aidés. Et je voulais en profiter pour encourager tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Que vraiment, que Seigneur le fortifie, que Seigneur ouvre encore des portes, parce que moi, je peux le témoigner. C'est ça qui nous nourrit, qui me nourrit, moi et mes enfants, dans la maison. Parce que ça complète avec ce que le peu que j'ai à la maison, avec ce que je prends ici. Ça nous aide énormément. Gloire au Seigneur. Et je bénis Seigneur pour ça. Il n'y a même pas longtemps, je pense que le mois dernier, j'étais là. Quand vous étiez à Congo, j'étais là, je suis venue prendre le doré ici. J'avais envoyé le message à David. Et je suis venu un mercredi et j'ai pris le doré. Amen. Et je bénis Seigneur. Et ce qu'on prend ici, je sais que dans d'autres épiceries, on ne donne pas comme ce qu'on nous donne ici. Là. Et je le témoigne. Amen. Et je bénis Seigneur. Est-ce que la viande à la maison? La viande, je l'ai. Je l'ai. Ah ben c'est bon, il y a du lait. Oui, il y a du lait. J'avais pris le lait ici. Et les pâtes, il y en a. Hein? Oui, j'ai pris des pâtes aussi. Ah ben c'est parfait. Oui. C'est bon. Merci. Et sans payer. Et sans payer, c'est ça, voilà. L'évangile. Venez acheter sans argent. Et, gloire au Seigneur. Et le nombre d'étudiants qui sont en France, qui sont soutenus, ben, il y en a vraiment, le Seigneur soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Et une bonne nouvelle aussi pour vous, la Bible en allemand est sortie. La traduction de Matthieu à Apocalypse pour l'instant. Donc c'est une belle, belle traduction, vraiment. Donc là, pour l'instant, c'est un PDF et... on va la faire imprimer. Voilà comment le Seigneur fait son œuvre. Et ça, c'est beau. C'est bon, on ne l'a pas eu? Tonton Serge? Ben, prenez mon portable, on va l'appeler en direct. S'il vous plaît. Tiens, les clés, je joue. On va l'appeler, on va... C'est comme ça, parfois, on prévoit un enseignement et puis on sent que l'Esprit veut nous conduire dans autrement un peu. On se laisse guider. Il ne faut pas être religieux. Quand c'est comme ça, vous savez qu'il y a des besoins, la personne crie vers le Seigneur. Et il y a beaucoup de veuves là-bas, dans ce village-là, au Togo, qui sont souvent soutenues comme ça. C'est comme avant-hier, le Seigneur a mis à cœur d'envoyer de l'argent à quelqu'un en Afrique. Et la personne, sa femme vient d'accoucher. Et je vous assure comment le frère a béni le Seigneur. C'est beau de voir des gens rendre grâce au Seigneur parce qu'ils se souviennent d'eux. Ça, c'est magnifique. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Il va être surpris. Allô, bonsoir. Bonsoir, frère Chora. Oh, quelle joie de t'entendre après plusieurs années d'absence. Vraiment. Comment ça se passe là-bas au Togo? Nous avons dit tout grâce au Seigneur. Amen. On voulait envoyer quelque chose demain pour vous aider, pour aussi nourrir les veuves là-bas. Ah, ce serait intéressant. Ce serait intéressant, hein? Oui, oui. Amen. Là nous sommes en direct, hein, on est avec des frères et sœurs, tout le monde t'entend. Waouh, Dieu soit loué, Dieu salue tout le monde. Amen. Donc, bah, écoute... Il y a longtemps... Oui, vas-y. Il y a longtemps, je vous ai envoyé mes dernières nouvelles et j'ai vu que votre boîte email ne fonctionne plus, votre adresse email ne fonctionne plus et c'est fini, je n'ai plus de vos nouvelles. Voilà, ben, je vais te donner les nouvelles coordonnées, pas de souci. D'accord. Est-ce que vous avez des besoins là-bas? Ça va vous aider? Ce qu'on va envoyer là, c'est bon? Quoi?
Ça va vous aider, ce qu'on va envoyer là, ça peut vous aider? Oui, ça peut aider, bien sûr. Ok. Ah, ben, gloire au Seigneur. Ok, parfait. Ben, on fait comme ça, on te rappelle. D'accord. C'est un frère qui aime beaucoup le Seigneur. C'est un des rares frères en Afrique qui vraiment craint le Seigneur. Voilà. Ils sont à 300 km de Lomé, hein, dans un village là-bas. Et c'est beau. Oui, c'est ça, le royaume. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi, je voulais juste partager un songe que j'ai fait ce week-end. Mm-hmm. Et en fait, dans ce songe-là, il y avait un jeune garçon qui est venu me voir me disant préparez-vous, parce que la tête arrive. Et je ne comprenais pas. Et je lui disais, en fait, plusieurs fois, j'ai entendu cela. Et il me disait que c'est le Seigneur qui l'a dit. Et après ça, je voyais des chrétiens qui étaient complètement insouciants, en fait. Ils étaient insouciants, comme si leur vie était... Enfin, leur vie est belle, il n'y a pas d'inquiétude. Et ils ne discernaient pas, en fait, les temps dans lesquels on était. Et j'étais vraiment attristée, en fait. Et parce que je me disais, ben, en fait, la persécution va augmenter. Et beaucoup de chrétiens, en fait, sont... Voilà, ils étaient tranquilles, en fait, vraiment sans discernement, sans rien. Et juste après ça, je me suis réveillée. Et j'ai compris que c'est vraiment le Seigneur qui nous interpellait. Quand je disais que je l'ai déjà entendu, en fait, c'est par rapport à la parole et par rapport à tous les enseignements qu'on a eus, par rapport à la prophétie, tout ça. Bah, c'est vraiment l'avertissement du Seigneur. Donc, vraiment, ne négligeons pas ça et rapprochons-nous du Seigneur, tout simplement. Gloire au Seigneur. Donc, 2 Pierre, chapitre 1er. Le verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique à laquelle vous faites bien d'être attentif comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Notez bien ici le jusqu'à ce que. Voyez, donc ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas quitter de vue la parole prophétique, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés de la vie, les tentations, la séduction de l'ennemi, il ne faut jamais perdre de vue la parole prophétique parce qu'elle est la lampe qui brille dans le lieu obscur. Hier, on a parlé, on a défini, on a développé sur... On a développé sur le lieu obscur. On a compris que c'est le monde, c'est les ténèbres. Et c'est le royaume des ténèbres, c'est vraiment le péché, l'apostasie. Et nous nous retrouvons, nous, en tant que chrétiens, nous nous retrouvons, on est dans le monde. On se retrouve au milieu des impies. Et maintenant, pour ne pas tomber, pour ne pas baisser les bras, il faut constamment avoir le regard sur la parole prophétique parce qu'elle est ferme. Elle ne peut que s'accomplir. Donc, jusqu'à ce que, vous voyez, il ne faut pas lâcher, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit. Voilà, la nuit est avancée. Le Seigneur a annoncé la nuit. On a vu aussi que le lieu obscur, c'est la nuit, c'est le monde qui est dans les ténèbres. Et bien nous avons cette lumière avec nous, cette parole, cette lampe, cette parole prophétique, et nous traversons cette ténèbre, voilà, la ténèbre, parce qu'on a vu qu'on a restauré ça en hébreu, comme dans le grec, au singulier, donc c'est vraiment le royaume des ténèbres. Et nous traversons ce monde de ténèbres avec la parole prophétique, avec la lampe. Et comme vous le savez aussi, c'est une lampe qui a été, dont la flamme était alimentée par de l'huile.
et une mèche avec de l'huile. Il fallait de l'huile, l'huile qui est le Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons la parole prophétique et nous avons le Saint-Esprit pour nous l'enseigner, pour nous la faire comprendre, cette parole. Et cette lampe n'était pas, n'éclairait pas. Quand on la mettait dans une maison, elle ne pouvait pas éclairer toute la maison. Donc pour pouvoir voir un lieu de manière distincte, il fallait la prendre avec soi. Voilà. Donc d'où l'importance d'avoir la parole prophétique, mais vraiment avec nous, de la garder dans notre cœur. Comme le psalmiste a dit dans Psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur, je garde cachée ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est capital. Et comme vous le voyez, comme vous le savez, nous sommes à la fin de temps, à la fin de ce siècle. Et nous avons besoin, nous avons intérêt à avoir le regard sur la parole prophétique. Mais vraiment, vraiment. Et jusqu'à ce que le jour ait brillé. Donc le jour, bien sûr, c'est l'image du Seigneur. Voilà, les Écritures nous parlent énormément du jour de Yahweh. Jusqu'à ce que le jour ait brillé. À travers l'obscurité de la nuit et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, bien sûr, c'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qui doit se lever. Et le jour est brillé. Le jour. Nous attendons le jour. Nous sommes dans la nuit. N'est-ce pas? Et le jour va finir par se lever. Et comme il fait nuit à l'horloge du Seigneur, parce que c'est le lieu obscur, parce que c'est l'apostasie, parce que c'est le monde, parce que c'est le péché, c'est le péché qui atteint son paroxysme, nous avons besoin de la parole prophétique. Et le jour, justement, le jour, on parle du jour qui doit briller. Regardez ce que Joël nous dit concernant le jour, justement. Le jour en question. Parce qu'on nous dit que le jour doit briller à travers l'obscurité. Joël chapitre 2. Sonnez du shofar en Sion et poussez des cris sur la montagne de ma sainteté. Que tous les habitants de la terre tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche. Waouh! Alléluia! Seigneur, et nous voulons justement ce soir parler, on a parlé de la nuit, et aujourd'hui on va parler du jour. Voilà. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous attendons tous, en tout cas néanmoins les vrais enfants d'Elohim. Parce que nous savons que c'est la nuit, nous savons que le Seigneur viendra pendant la nuit, comme un voleur, comme il a enseigné, comme il a annoncé. Donc la nuit est avancée, on l'a vu, le lieu obscur. La nuit est avancée, Paul nous dit dans Romains, et le jour approche. On va le lire aussi tout à l'heure. Et Joël parle justement de ce jour, il dit, il faut sonner le shofar. Car le jour de Yahweh vient. Waouh! Il est proche. Et il nous dit, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité. Waouh! Donc l'obscurité qui couvre le monde précède le jour de Yahweh. Plus l'apostasie prend de l'ampleur, plus nous devons nous préparer pour le jour. C'est important. Et ce jour est décrit comme un jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de profonde obscurité. Ça se répète. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et après lui, il n'y en aura plus, jusqu'aux années d'âge en âge. Donc, le jour de Yahweh. Seigneur, voilà, gloire au Seigneur. Et nous sommes dans toujours Joël. Au chapitre 3. Seigneur, merci pour ta parole. Donc, dans d'autres versions, c'est Joël 2, 28. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes ou rêveront des rêves,
et vos jeunes hommes verront des visions. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Je donnerai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et redoutable quoi ? Jour de Yahweh. Voilà. Donc avant le jour de Yahweh, qu'est-ce qui va se passer avant ? Le soleil se changera en quoi ? En ténèbres. Donc vous voyez bien que le lieu obscur précède le jour du Seigneur. Donc le soleil ici, on peut le voir de deux manières. Le soleil physique, mais aussi le soleil spirituel. Et le soleil, la lune ainsi que les étoiles représentent Israël. Donc le Seigneur annonce l'apostasie aussi d'Israël. Et on y est déjà parce que dans Apocalypse 11, on nous dit que Jérusalem est comparé à l'Égypte, c'est l'Égypte et Sodome. Voilà. Donc le soleil qui était chargé, qui avait la mission d'éclairer les gens avec la Torah, malheureusement est devenu ténébreux. C'est ce que Paul a enseigné dans Romains 11. Une grande partie des Hébreux est tombée, une grande partie est tombée dans l'endurcissement pour que la totalité des païens destinés au ciel entrent dans le royaume. Donc le Seigneur, il dit, avant ce grand jour est redoutable, avant ce grand jour, le Seigneur dit qu'il va répandre son esprit en même temps. C'est terrible. D'un côté, vous avez les ténèbres qui vont prendre de l'ampleur avant le jour du Seigneur. De l'autre, l'esprit sera de plus en plus répandu depuis Acte 2, parce que Pierre se servait de cette parole pour dire que c'était l'accomplissement, la naissance de l'Église, hein, l'accomplissement de la parole de la prophétie de Joël. Voilà. Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur nous dit plus loin au verset, au chapitre 4. Car voici, verset 1er, en ce jour-là, il est question du jour du Mashiach, du jour de Yahweh, le jour de l'Éternel. Il y a plusieurs noms par rapport à ce jour-là. Le jour de Christ, jour de Yahweh, jour de l'Éternel, jour du Seigneur. C'est la même chose, même si les religieux veulent nous faire croire, certains religieux, que le jour de Christ n'est pas le jour de Yahweh, mais parce qu'ils ne croient pas que Christ, Yeshua, est lui-même Yahweh. C'est le même jour, il n'y en a pas deux. Amen. Et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Yehuda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Yehoshaphat ou Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations et de ma terre qu'elles se sont partagées. Donc nous apprenons plusieurs choses concernant le jour de Yahweh. Le jour de Yahweh. Donc, le jour de Yahweh. C'est un jour précédé par les ténèbres. Ça, c'est la première des choses à savoir. C'est important. Il n'y aura pas de jour de Yahweh sans l'augmentation du mal, sans l'apostasie. C'est un jour précédé par les ténèbres. C'est un préalable, c'est une obligation. Comme le Seigneur l'a annoncé. D'accord ? Donc, beaucoup de gens vont abandonner la foi. C'est le cas aujourd'hui. Beaucoup d'églises seront contaminées. C'est le cas aujourd'hui. Beaucoup de gens, l'esprit de Jézabel va opérer dans beaucoup d'églises. C'est le cas aujourd'hui. Voilà. Guerre, trouble, tout ça, c'est le cas. Le soleil se change en ténèbres, devient ténébreux, c'est le cas. Et deuxièmement, par rapport au jour de Yahweh, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église va être enlevée. Même si beaucoup ne veulent pas y croire.
l'Église va être enlevée. Donc, on a vu que ce jour est précédé par les ténèbres. D'accord ? Très important de le souligner. En parlant des ténèbres ici, on a vu qu'il va y avoir l'avènement de l'impie. De l'homme impie. D'accord ? Tout ça. C'est-à-dire la parousie de l'homme impie. Voilà. Et on le voit. En tout cas, là, tout de suite après, il y a l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement, après l'enlèvement au ciel, il y a le tribunal du Machia. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Quelqu'un pourrait nous le lire rapidement? Quelqu'un va nous faire la lecture à chaque fois avec le micro? De Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 10, la Bible dit « Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Machia, afin que chacun reçoive selon les bonnes ou les mauvaises choses qu'il aura pratiquées, étant dans son corps. » Ok, nous allons comparaître à quel tribunal ? Du Machia. On est d'accord, hein ? Ok. C'est tout le monde ou que les païens ? Tout le monde ? Tous, moi, vous, tout le monde. Hein? Les chrétiens. Ici, c'est les chrétiens. Il est question d'abord de chrétiens. Et Romains chapitre 14, verset 11. Notez bien le tribunal de Christ, de Machia. D'accord? Tout de suite après l'enlèvement. Romains chapitre 14, à partir du verset 11. Car il est écrit... « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue célébrera Elohim. » Ok. On a mis un commentaire ici, dans Romains là-bas. On a fait un renvoi. Parce que Paul dit « Il est écrit ». Donc il s'est référé à une écriture du Tanakh. C'est quelle écriture à votre avis ? Ésaïe 45 verset 23. 23, on peut le lire ? Parce que je veux sortir le nom là. Il y a un nom. Là-bas, dans 2 Corinthiens, on a dit le tribunal du Machia. Et ici, on dit le tribunal de quelqu'un. Pour faire le lien. Là, Paul a dit Seigneur. En fait, Seigneur, mais dans le texte hébreu, ce n'est pas Seigneur, c'est quelqu'un non précis. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 23. Je le jure par moi-même. La parole est sortie avec justice de ma bouche. Elle ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera. Qui parle ici ? Yahweh. Qui parle ici ? Yahweh. Donc, Yahweh dit que tous les humains vont passer devant son tribunal. C'est ça, non ? Tout genou. On est d'accord ? C'est Yahweh. Et quand Paul maintenant dit que nous passerons devant le tribunal de Christ, et Christ est qui ? C'est Yahweh. Et Yahweh c'est qui ? Voilà. Amen. Alléluia. On peut l'acclamer, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Notre mission, c'est de vous présenter le véritable Seigneur. Voilà. Pour que vous restiez avec lui, pas avec nous. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, nous passons tout de suite après l'enlèvement au tribunal du Machia. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 10. En Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, la Bible dit « Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre édifie dessus. » Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Continue. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été, Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua HaMashiach. Mm-hmm. Continue. Mais si sur ce fondement quelqu'un édifie de l'or,
de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révèle dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé comme à travers le feu. On parle de récompense, non? Voilà. Donc, nous passerons au tribunal pour que chacun rende des comptes. En tant que chrétien, ce n'est pas pour être condamné, mais pour être couronné ou pas. Voilà. Toi, je t'avais donné telle grâce, telle. Tu as fait quoi avec? On va rendre des comptes au patron, au chef des chefs. Voilà. Tu as fait quoi? Oh, mais tu sais, moi, j'avais trop peur, j'avais honte. J'ai enterré ton talent parce que j'avais peur du regard des gens, tout ça. Ok, pas de couronne. 2 Timothée 4, verset 7, dit quoi? Ouais. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. En ce jour-là, c'est le jour du Mashiach. Quand vous lisez dans les Écritures les expressions telles que « en ce jour-là », « en ce temps-là », « en ce moment-là », c'est le jour du Mashiach, le jour de Christ. D'accord? Voilà. Paul était en train de mourir et il dit « ma couronne est déjà assurée ». Donc voilà pourquoi nous passerons par le tribunal. On va rendre compte sur la gestion des œuvres que le Père nous a confiées, l'argent qu'il nous a confié. Tout. Ce que tu fais dans ton entreprise, est-ce que tu favorises l'œuvre du royaume ou est-ce que tu fais comme pour tout le monde? Il faut toujours se dire ça. Parce qu'on oublie ça. On a un travail, on doit toujours se dire quelle est ma part dans l'œuvre qui se fait pour le Père. Parce que c'est une grâce, la force qu'on a reçue pour pouvoir travailler, l'intelligence qu'on a reçue pour pouvoir travailler, ça vient du Père. Ah oui. Et le Père dira, mais dans ton travail, dans ton entreprise, est-ce que tu as favorisé mon royaume ou pas? Ah oui, mais Seigneur, tu sais que, bon, ben ok, d'accord. Tu as reçu telle grâce. Qu'est-ce que tu en as fait? Tu devais écrire 100 livres. Où sont ces 100 livres? Voilà. Et là, tu sors de là sans couronne. Non, pas disqualifié parce que tu es sauvé. Parce que là, on est enlevé, c'est là-haut, le tribunal. Amen. Voilà, la deuxième chose, toujours là-haut, par rapport au jour de Christ, c'est les noces. Apocalypse 19. Quelqu'un peut le lire à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. La Bible dit, « Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui gloire. » Parce qu'elles sont venues les noces de l'agneau, et que son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Car le fin lin, c'est l'acte de justice des saints. Ah, le fin lin, c'est aussi si tu n'as pas d'œuvre, il n'y a pas de vêtement pour toi. C'est terrible, hein? Et c'est l'œuvre que le Seigneur fait en nous. Bien sûr, parce que tout vient de lui. Donc, on nous dit, bénis sont ceux qui sont appelés, invités aux noces de l'agneau. Donc, voilà la vraie bénédiction. Quand on reçoit l'invitation aux noces. Si le président français t'invite à l'Élysée,
et qu'un policier t'arrête, qu'est-ce qui peut se passer pour ce policier-là? Une sanction. Parce que le président t'attend. Donc si on t'arrête, tu montres l'invitation. Donc si les sorciers, les satanistes, Satan, les démons veulent t'arrêter, tu fais quoi? Tu leur rappelles que tu as reçu l'invitation. Voilà pourquoi la parole dit, ils sont bénis ceux-là. Ben oui. Tu peux dire, oui, je suis invité. Convié. Ben oui. C'est pour cela que nous sommes bénis. Les noces de l'agneau. Vous vous rappelez de la parabole de cet homme, ce roi qui avait fait les noces pour son fils? Il a envoyé ses serviteurs pour inviter, pour rappeler, pour dire aux invités, ben venez, la salle est prête, tout est prêt. Celui-ci avait son trafic. Il ne faudrait pas que les affaires nous éloignent du Seigneur. Le business. Celui-là, le mariage. Il ne faudrait pas que le mariage maintenant te sorte de la volonté du Seigneur. Ah oui. Ce n'est pas la finalité. Et le Seigneur a dit, allez sur dans tous les carrefours et voilà, invitez toutes les personnes que vous trouverez. Les boiteux, les handicapés, les aveugles, tous. Il faut que ma salle soit remplie. Est-ce qu'on peut juste noter les questions? Comme ça, on aura, pour pas que je perde le fil, comme ça, on aura juste avant la fin, quelques minutes pour répondre aux questions. Merci. Donc, vous voyez, donc, nous sommes invités aux noces et ça, c'est une grâce. Parce que les premiers à avoir reçu l'invitation pour les noces, c'est Israël, les Juifs. Mais beaucoup ont refusé. Et le Seigneur a dit, allez dans tous les carrefours. Les carrefours, c'est les nations. Vous voyez? Jusqu'aux Antilles, là-bas. Des petits bouts de terre, là, le Seigneur a dit, allez là-bas. Ah oui. Prenez l'avion, turbulence ou pas. Allez-y. Alléluia. Voilà quelqu'un qui était en Haïti là-bas, qui dormait. Tac, un ange est venu pour dire, ben, lève-toi, va prier. Voilà. Parce qu'il y a l'invitation. Imaginez les anges avec des invitations comme ça, des cales d'invitation. Tac. Même dans les pays où on dit là-bas, l'évangile ne peut pas rentrer. Il y a des gens qui sont invités là-bas. Et quand on est invité, même si tu résistes, tu finiras par obéir. T'as pas le choix, tu peux pas fuir parce que ton nom est écrit dans le livre de vie avant même ta création. Tu t'en rends compte? C'est ça l'invitation. Donc nous naissons invités déjà. Alléluia! On peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Ben oui. Voilà pourquoi tu es différent des autres. On a dit, mais le jour de ta naissance, t'as failli mourir, tout ça, c'était compliqué. Ben oui, c'est normal. L'ennemi sait. Ah oui. C'est beau, hein? Voilà. Et là, les noces, on va s'asseoir autour d'une table avec des robes. Ah, meilleure que la robe de Joseph. La tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait faite. Vous vous rendez compte? C'est le père Jacob qui avait fait la tunique de plusieurs couleurs. Jacob, il n'y a pas un verset où on a dit que Jacob était couturier ou je ne sais pas, tout ça là. Mais parce qu'il aimait son fils Joseph, il dit non, je vais prendre mon temps pour confectionner une robe pour lui. Vous vous rendez compte? Donc, les robes qu'on va porter, c'est certainement le Père Céleste. Il faut laisser. Vous voyez quand il a fait confectionner la robe pour le grand prêtre. Hein? L'effort de tout ça, la tunique. Imaginez maintenant ce que nous on va porter là, c'est meilleur que ce que Aaron a porté, ce que Adam a porté, frères et sœurs. Hein? Lui, Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs, mais nous ça va être comment là, frère? Hein? Mais je vous assure, ça va être... Ouais. Non, le Père nous aime. Hein? Ta
taille pile poil. Pile poil. Et si tu rentres dedans, ça s'adapte à ton corps, tac, automatiquement. Ouh. C'est trop fort les robes là, on n'y pense pas. Hein, hein. Tu ne peux ni avoir chaud ni avoir froid avec cette robe là. Hein, on dit fin lin, du lin. Les prêtres devaient porter du lin pour ne pas, par rapport à la transpiration. Ben oui. Il est très soigneux le père, Non, il est bien organisé. Voilà. Donc tel que nous sommes là, il y a des robes qui portent, là-haut là, des robes. Amen. Qui attend Rafika qui est là. Les anges disent ça, c'est pour Rafika. Tu dis, Rafika c'est qui? C'est une invitée. Mais c'est, tu connais pas? Elle est conviée. Mais elle est dans une famille musulmane. Ben oui, mais elle est particulière. Ben oui, parce que les familles terrestres nous ont été prêtées. Les enfants ont été prêtés aux parents. C'est tout. On dit ça, c'est pour qui? C'est pour Elodie. Oui. C'est beau ce que le Seigneur fait. Donc avec nos robes, assis sur des tas, autour d'une table, et maintenant on va nous présenter du vin nouveau. Parce que le Seigneur a dit, je ne boirai plus ce vin jusqu'à ce que je le boirai nouveau, dans le royaume. Là, comme on offre de Cana, frère, le vin qu'on va boire, là, je vous assure, moi, avec ma couple, j'ai dit, Michael, encore ici. Alléluia! La musique, c'est la chorale céleste. Ben, je vous assure, les anges, ils vont, le cœur des anges, et tout ça, le... Les noces. Ben ouais. Combien de temps ça va durer? Seul le Seigneur le sait. Ça peut être 7 ans. Comme chez les Orientaux, le mariage durait 7 jours. Voilà. Fête sur fête. Voilà. Plusieurs jours. Festin. Danse. Musique céleste. Nourriture céleste. Ça va être... Et sur terre, comme vous le savez, c'est terrible. La grande tribulation. Hein? La grande tribulation. L'impie fait des dégâts encore. L'homme impie fait beaucoup, beaucoup de troubles. Mais on ne va pas me parler de ça, là, aujourd'hui. Après ces deux choses, le tribunal et les noces, ça va être Apocalypse chapitre 19, maintenant. À partir du verset 11. Le retour physique du Mashiach. Toujours le jour du Seigneur, hein, tout ça. Toujours c'est le jour du Seigneur, tout ça là. Voilà. Il vient d'abord pour Israël, ensuite pour l'Église, ensuite il vient pour Israël. Et là, par rapport au retour du Seigneur, par rapport à l'enlèvement, vous savez qu'il y aura la résurrection des saints. Ça, vous le savez, ça c'est un rappel. Quand on va être enlevé, 1 Thessaloniciens 4 le dit. Voilà. Que les morts en Christ qui seront ressuscités et les vivants seront transformés et on aura le même corps que le Seigneur avait. Ça, vous le savez aussi. 1 Corinthiens 15 le dit. C'est-à-dire, on aura des corps meilleurs que celui qu'Adam avait avant sa chute. Il était créé parfait, mais il était corruptible. Mais nous, on aura des corps incorruptibles. C'est-à-dire qu'on ne pourra même plus être corrompu. Même une petite pensée impure, ça ne pourra plus rentrer. Vous vous rendez compte? Fini! Incorruptible! Ni homme, ni femme. Ben oui! La même taille. Mais il y en a qui vont briller plus que les autres. Parce que Paul, 1 Corinthiens 15, Paul dit, même les étoiles, même une étoile en éclat, il y a des étoiles qui sont plus éclatantes que d'autres. Donc en fonction des œuvres aussi. Ben oui! Ceux qui souffrent pour le nom du Seigneur et qui ne baissent pas les bras vont briller plus que les autres, ça c'est naturel. Et d'ailleurs, Daniel 12 le dit, ceux qui vont annoncer la parole dans Daniel 12 à des multitudes vont briller comme les étoiles du ciel. Ça va être magnifique, frères et sœurs, magnifique. C'est pour cela qu'il ne faut pas baisser les bras à cause des combats. Non, il faut tenir bon, pas céder.
des corps terribles qu'on aura, comme le corps du Seigneur, avec des os, de la chair, mais transformés. Et on va pouvoir manger, comme le Seigneur a mangé après sa résurrection. On va pouvoir manger, mais on va pouvoir traverser la matière, comme le Seigneur. On va apparaître dans une maison comme ça. Tac, c'est nous. Parce que pendant le règne de 1000 ans, on aura ce corps-là, donc on sera missionné par le Seigneur. Tiens, toi, mon enfant, parce qu'il y aura ni homme ni femme parmi nous, ben va là-bas en France pour voir ce que c'est pour gérer des affaires là-bas du royaume. Tac, tu te retrouves d'Israël à Paris. Voilà. Vous voyez ? Ça va être terrible, le jour du Mashiach. Donc là, après le 19, après le verset 11, c'est le retour physique du Seigneur. Avec l'Église, nous sommes dans Apocalypse 19, verset 11, ça dit quoi ? Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11. Et je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Verset 12. Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole d'Élohim. Des armées. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux. Est-ce qu'on a dit une armée ou les armées ? Donc ça veut dire qu'au ciel, il y a plusieurs corps d'armes. Il y a plusieurs corps d'armes. Il y a terrible. Il y a Michael avec les anges guerriers, d'un côté. Il y a des anges, d'après Daniel. Daniel nous apprend que Michael n'est qu'un chef parmi tant d'autres. Donc les anges comme Michael, les archanges comme Michael, il y en a des milliards. Vous vous rendez compte ? Des myriades et des myriades. Ouais. Donc vous avez l'armée des guerriers, vous avez l'armée d'adorateurs, c'est-à-dire des anges comme des chérubins, tout ça. Il y en a plusieurs. Et toutes ces armées seront sur des chevaux, y compris l'Église, toi et moi. Donc ça, vous le savez déjà. Donc il y a un cheval qui t'attend, mon frère, là-haut. Donc là, maintenant, avec nos robes, nous allons nous asseoir, nous mettre sur des chevaux. On va monter nos chevaux. Hop ! On va suivre le Seigneur. Lui va être devant pour faire son entrée à Yerushalayim. Cette fois-ci, non pas sur un âne, mais sur un cheval. Pourquoi ? Parce que Proverbe 21 nous dit que le cheval est équipé pour la bataille. Donc il vient pour la bataille d'Armageddon. Et là, c'est beaucoup de coups, 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 beaucoup de coups. On va descendre. Tac, 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 tac. Et sur terre, c'est la guerre d'Armageddon. Le chaos. Israël est épuisé. Alors, on continue la lecture ? Le verset 14, je vais relire. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. Ah, fin lin blanc et pur. Continue. Verset 15. Et de sa bouche sort une grande épée tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Et il foulera aux pieds la cuve de vin de l'indignation et de la colère d'Élohim Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une grande voix, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith dans le ciel, Venez et rassemblez-vous pour le grand souper d'Élohim, afin de manger la chair des rois et les chairs des chefs militaires. Ça va être terrible.
et la chair des puissants, et la chair des chevaux. Attendez, vous allez être becté. Et de ceux qui sont assis dessus, et les chairs de tous, libres et esclaves, petits et grands. Verset 19, pour finir. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre contre celui qui est assis sur le cheval et contre son armée. Vous vous rendez compte maintenant, c'est en fait l'apogée de la guerre globale, du conflit global, de la guerre d'Armageddon, c'est, n'est-ce pas, l'attaque de la bête, l'anti-machia, contre le machia qui vient. C'est la confrontation entre l'anti-machia et le machia. C'est l'accomplissement aussi définitif de Bereshit 3:15, les deux postérités, la guerre entre les deux postérités. Voilà. L'anti-machia sera à la tête des armées de la terre. Le véritable machia sera à la tête des armées célestes. Waouh! L'ultime guerre, l'ultime combat. Qui va gagner? Eh bien, nous connaissons l'issue de cette guerre, frères et sœurs. Alléluia! Toujours, toujours. Et imaginez maintenant les oiseaux qui vont s'abattre sur les hommes de ce monde, sur les militaires, les chefs, les généraux, pour manger leur chair. Vaut mieux être du côté de notre grand frère. Ça, c'est un conseil. Je vous assure, ça va être terrible. Parce que les Écritures nous disent que les chefs de ce monde vont se cacher dans des cavernes, vont demander aux montagnes de tomber sur eux devant la colère de l'agneau. C'est écrit, hein, la colère de l'agneau. Or, les Écritures nous parlent de sept coupes de la colère d'Élohim. Alors, Élohim, c'est l'agneau lui-même. Vous voyez, on dit la colère de l'agneau. On n'a pas dit la colère du lion. Donc, cet agneau, je vous ai déjà parlé de l'agneau. On ne peut pas rentrer dans le royaume sans manger l'agneau. Avant d'être membre du royaume céleste, il faut faire la rencontre avec l'agneau. Il paraît doux, calme, mais il est dangereux. Il est terriblement dangereux parce que cet agneau a vaincu le dragon. Hein? Vous voyez le dragon, rouge feu, devant un agneau. L'agneau l'a terrassé. Un agneau qui se met en colère est dangereusement à craindre, frères et sœurs. Je vous assure. Voilà pourquoi les rois vont dire aux montagnes, tombez sur nous. Ils vont préférer se suicider, être écrasés par les montagnes, que d'affronter le regard de l'agneau. Les armées de la terre et la bête vont pointer leurs armes sur nous. Ils vont tirer. Et là, l'accomplissement de la prophétie qui dit, la parole de Psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, ça va s'accomplir littéralement. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia, c'est écrit, frères et sœurs. Eh, c'est fini. Fini, ça va ricocher, pam, 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 rien. L'arme nucléaire, tata, rien. On va continuer à descendre. Et le Seigneur n'a même pas les bazookas. Juste une épée qui sort de sa bouche. Une seule épée. Hey! Comment quelqu'un peut frapper les armées qui sont, mes amis, équipées avec des armes atomiques nucléaires, peut les vaincre juste avec l'épée? L'épée à double tranchant. La parole d'Elohim. La parole, frères et sœurs. Vous vous rendez compte de notre maître? Il est terrible.
Je vous ai déjà dit, hein, quand le diable s'adresse au Seigneur, il a la tête en bas. Non, non, vous voulez le comparer à qui là? Il dit dans Ésaïe 40, à qui voulez-vous me comparer? Hein? Ça. Vous venez avoir affaire aux hommes. Je vous assure, lui il peut intervenir. Mais si vous avez affaire avec, à lui là, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, Yahweh des armées, Yahweh Tsevaot. Et comme il se présente lui-même, Adonai Tsevaot. Parce que armée, c'est pas vraiment fort. Le mot hébreu, là, c'est Tsevaot là. Ah! Parce que dans Tsevaot, vous avez tout. Vous avez l'armée, vous avez la discipline, vous avez. C'est un mot riche. Yahweh Tsevaot. Et là, la suite, c'est quoi? Le verset 20. Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète qui avait produit devant elle les signes par lesquels ils avaient égaré ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Les deux systèmes seront brisés. La bête, la Babylone politique, ainsi que c'est le système politique et ainsi que son maître, l'antichrist. Et le faux prophète, comme vous le savez, c'est le système religieux ainsi que le faux prophète, celui qui a la tête de ce système-là. Pris et jeté où? Et ils furent tous les deux jetés devant dans le lac de feu brûlant, dans le soufre. Vivant dans le lac de feu et de soufre. Ça, on dit c'est un lac. Continue. Verset 21, et le reste fut tué par la grande épée sortant de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Tout de suite après notre retour sur terre, le retour physique, le Seigneur prend d'abord ces deux-là. Hein? On dit qu'ils vont être pris ou encore capturés. Et tout de suite, hein, sans jugement, là, c'est tout de suite. Dans le lac de feu, allez, là-bas. Et les autres morts furent tués comment? Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Les oiseaux, là, ils se préparent. Hein? Les oiseaux, là. On dit rassasiés de leur chair. Continue. Apocalypse, chapitre 20, le verset 1. Là, c'est toujours la suite. Hein? Il n'y a pas de chapitre, pas de verset. La suite. Et je vis un ange descendant du ciel. Un ange descend du ciel! Ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Un seul ange. À un seul ange, le Père a donné, à cet ange-là, le Seigneur a donné la clé de l'abîme. L'abîme, c'est la prison des démons. Et qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Et il saisit le dragon, le serpent ancien. Un seul ange, il n'a pas envoyé plusieurs anges. Et on n'a même pas donné le nom de cet ange-là. Pour vous montrer que Satan n'est rien par rapport au Seigneur. Ah! Le Seigneur ne veut pas envoyer deux anges, pourquoi? C'est pas utile. C'est pas utile. C'est là qu'on voit que notre Père est terrible. Frère, il est vraiment, je sais pas. Non, que, Père, que ton nom soit béni. Il envoie un ange lambda, un ange simple comme ça. Il dit un ange. Il va attraper le serpent ancien. Qu'est-ce qui va se passer? Et il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour 1000 ans. C'est cet ange-là qui va lier le diable pour 1000 ans. Il chope le diable. Il le ligote. Tout seul. Non, 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 on acclame le Père, frère et sœur. Alléluia! On n'a pas dit, Satan dit non, je ne bouge pas et que l'ange a dit au nom de Jésus. Non, 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 non. Alléluia! Waouh, frère et soeur, ça c'est trop fort. Il n'y a pas de discussion.
Il le lit d'abord, ensuite. Et il le jeta dans l'abîme. Deuxième chose, la première chose, il le lit. Deuxième chose, il le jette en prison, l'abîme. Et troisième chose, il va l'enfermer en prison et mettre le sceau. Le sceau sur l'abîme. Tu sais, quand on met un sceau là, tu ne peux plus sortir. Fini. Scellé. Tu ne sors plus. Afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Oh, on va l'écarter d'abord pendant 1000 ans. Parce que le Seigneur a des choses à régler sur terre. Waouh, frère. C'est là que tu vois que Yahushua est le. Il envoie un ange nettoyer, préparer les choses. Oh, frère, le roi. Il dit, toi, Satan, prison, 1000 ans. Pour ne plus qu'il égare les gens de la terre, les habitants de la terre. Ensuite. Et après ces choses, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Voilà. On est lié, délié. On continue. Et je vis des trônes sur lesquels il s'assied. Ah, on dit des trônes, plusieurs trônes. Voilà le royaume qui s'installe maintenant. Mais avant l'établissement du royaume, les trônes là, c'est le jugement. Continue. Et le jugement leur fut donné, et les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache à cause du témoignage de Yahushua et à cause de la parole d'Élohim, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils vécurent en effet, et ils régnèrent avec le Mashiach. Donc là, c'est la résurrection des personnes converties pendant la grande tribulation. C'est aussi la résurrection de tous les saints d'avant Mashiach, en commençant par le premier, c'est-à-dire Adam. Bah oui, parce que Adam et Ève sont sauvés. Qui ne le savait pas? Bah oui, parce que le Seigneur avait tué un animal et il avait couvert la nudité d'Adam et Ève avec sa peau. C'était un acte prophétique. Le sang des animaux couvrait le péché. Voilà. Et c'est une préfiguration de la mort du Mashiach. Voilà. Vous avez compris? Donc, commençons par Adam et Ève qui vont te ressusciter. Ensuite, tous les autres saints, jusqu'au dernier saint d'avant la grâce. C'est qui? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Ils vont tous être ressuscités pour faire partie du royaume davidique, du royaume de 1000 ans du Mashiach. Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Ben oui. Un jour égale 1000 ans représente un jour. On est d'accord, hein? Voilà. 2 Pierre le dit, 2 Pierre 3:9, et 7 à 9, et Psaume 91 également. Et l'homme le plus âgé, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur terre, c'est qui? Metushela. Il a vécu combien de temps, Metushela? 969 jours. Il lui manquait combien d'années pour faire un jour? Ou 1000 ans? 31 ans. Mais il n'a pas pu. Il lui restait juste 31 ans. Or, s'il avait atteint 1000 ans, il allait rentrer dans l'éternité. Or, parce que l'éternité, c'est à partir de un jour. Voilà pourquoi on parle du jour du Mashiach. Parce qu'il n'y en a qu'un. Alléluia! Alléluia! Vous comprenez un peu la chose? Du jour du Mashiach, du jour de Yahweh. Voilà. Le jour de Yahweh est un jour de 1000 ans. C'est le jour où le Seigneur va revenir pour établir le règne de 1000 ans ou encore de un jour. Et maintenant, le premier Adam qui avait reçu le mandat d'amener l'humanité à l'éternité, parce que c'était le gouverneur, lui, enfin d'amener les gens étaient déjà dans l'éternité. Et il avait reçu le mandat de donner naissance aux humains qui allaient être dans l'éternité. Mais lui, il a échoué. N'est-ce pas? Il a échoué. Et le dernier Adam, parce que Yeshua est le deuxième Adam, le dernier Adam, lui, il va venir, voilà pourquoi il est venu en tant qu'homme, il va revenir en tant qu'homme, mais en tant qu'homme maintenant, il va amener l'humanité qui aura cru en lui
à dépasser le un jour. Il va l'amener au-delà d'un jour. Voilà pourquoi on parle du règne de mille ans. Voilà pourquoi on parle du jour du Machia. C'est un jour de. C'est un jour. C'est pas un, il y a un seul jour. Vous comprenez? Alléluia! Donc il va nous amener maintenant au-delà de ce jour-là. Voilà pourquoi le diable sera empêché de séduire l'humanité pendant ce jour-là. Alléluia! Vous comprenez, frères et sœurs? Donc le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam réussira. A réussi. Voilà pourquoi la parole nous dit que celui qui croit en lui aura la vie. Celui qui croit en lui reçoit la vie. Alléluia. Donc, des trônes vont être établis. Il y a la résurrection des saints. Et les 12 apôtres vont juger Israël, les 12 tribus d'Israël. L'Église va juger les anges, donc les démons, et les nations, le monde, selon 1 Corinthiens 6. Donc les démons qui t'embêtent actuellement, là, faut leur rappeler que tu vas les juger. Alléluia! Voilà! Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et les anges? 1 Corinthiens 6 le dit. Et là, on va juger aussi, on va juger. Tac, 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 tac. Et si vous lisez Matthieu 24, 25, à partir du verset 31, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il séparera les boucs d'avec les brebis. Les brebis d'avec les boucs. Vous avez vu, non? Les brebis, c'est qui? Mais non, c'est pas nous. Parce que là, il revient physiquement pour séparer physiquement. Les brebis représentent Israël et les saints qui vont se convertir pendant la grande tribulation. Dans Matthieu 25, là-bas, il y a les brebis. Il y a aussi les petits frères de Yéhoshua. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, vous êtes bénis. Parce que j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Et ils vont lui dire, quand est-ce que t'avons-nous vu avoir faim, être étranger et t'avons-nous assisté? Et il dira quoi? À chaque fois que vous aviez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est les Juifs, Israël. Parce que pendant la grande tribulation, Israël sera particulièrement persécuté. Et beaucoup de chrétiens vont leur venir aussi en aide. Vous voyez? Alléluia! Donc voilà pourquoi les brebis représentent les saints de la grande tribulation qui vont se convertir. Et les plus petits frères de Yéhoshua, c'est les Juifs physiques, les Hébreux. Voilà. Et là, ils séparent. Et les boucs, c'est la séparation ici dans Matthieu 25, c'est le jugement. Hein? Voilà. Les boucs. Les impies vont être pris et jetés après le jugement dans le lac de feu. Et maintenant, le Seigneur dira aux brebis, prenez part au royaume de votre Père. Et là, c'est le royaume sur terre de mille ans. Le royaume qu'il a promis à David dans 2 Samuel 7, 14. Le royaume de mille ans de fête sur terre. Voilà. Et on aura la gestion des royaumes. Comme le Seigneur a dit, à celui qui avait 5 talents, qui les avait fructifiés, on lui donnera la gestion de 5 villes. Ah ben le Seigneur peut te dire, ben tiens mon enfant, parce que nous, membres de l'Église, nous n'aurons plus de corps normaux. On aura des corps glorifiés. Mais les plus petits frères de Yéhoshua, les Juifs, et les convertis de la grande tribulation auront des corps normaux. Donc ils continueront à avoir des enfants dans ce royaume. Mais nous, fini! Alléluia! Le jour du Machia. Fête sur fête. Adoration sur adoration. Tiens, Samuel, tu as été fidèle, tu prends la gestion de la ville, par exemple, de Paris. Maire de Paris. Ou président de la France. Voilà. Et tu as ton administration, hein, comme c'est le cas. Il y a des maires, tout, chefs de quartier, chefs de rue et tout. Oui, toute une organisation. Le transport et tout. Mais nous, avec des corps glorieux, nous, on va pouvoir voyager à la vitesse de la lumière. Ça, c'est pas un problème. Certainement. Comme le Seigneur, il disparaissait, il apparaissait ici et là. C'est beau, hein? Mais les autres vont prendre le transport en commun. Donc, on va gérer tout ça. La gestion des trains, des avions. Ben oui, il y aura toujours des pilotes. Parce que c'est une vie normale. Mais sauf que plus de démons, plus de séduction, plus de blessures, plus
plus de souffrance, plus de mort. Fini tout ça là. Parce que et la mort, tout ça là, enfermé. Si Satan est enfermé pendant 1000 ans, vous pensez que les démons sont où? Ils sont avec lui. Bah oui. C'est magnifique. Tiens, ma fille, toi, tu as été fidèle, je te confie la gestion de la Martinique. Bah oui. Toi, c'est la Guadeloupe. Toi, c'est Haïti, Saint-Martin, tout ça. Toi, c'est l'île Maurice, Madagascar, tout ça. La gestion. Voilà, tu gères. Et chaque année, selon Zacharie 14, on va aller là-bas en Israël pour adorer le roi. Et la parole nous dit dans Zacharie 14, Yahweh sortira, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. C'est écrit, non? Et quand le Seigneur est parti au ciel, dans Acte 1, les anges ont dit quoi aux apôtres? Ce Yahushua que vous voyez partir au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. Il est parti de quelle montagne? Les Oliviers. Et il revient sur la même montagne. Donc c'est lui, Yahweh. Voilà. Voyez? Et là, c'est la fête. La fête. Le jour s'est laissé lever pour nous. Voilà, c'est fini. Nous qui sommes déjà glorifiés, glorieux, dans la gloire, ben nous sommes déjà, l'éternité pour nous, c'est déjà acquis. Fini, c'est acquis. On va dans ce royaume avec des couronnes. Ceinture en or, bien habillé, propre, purifié, nickel. Voilà. On va plus dormir. Fini, parce que nous, on ne dort plus. Ben non. Voilà. Comment? Bien sûr, on va manger. Mais la viande, c'est fini. Parce que Ésaïe 11 le dit. L'enfant va jouer avec le cobra. Parce qu'il y aura des serpents dans ce royaume. Donc, on n'aura plus peur de serpents. Fini. L'ours va jouer avec l'agneau. Tout le monde va manger de l'herbe et de fruits. Comme à l'époque. Voilà. On va plus manger de viande. Les mangeurs de viande rouge, là, c'est fini. Hein? L'entrecôte, machin, tout ça, là, c'est fini. Le fromage, tout ça, là. Bon, le fromage, le lait. Bon, non, c'est fini, tout ça, là, parce qu'on va plus traire les vaches. C'est fini, tout ça, là. Amen. Voilà. Manger 5 fruits et légumes par jour. Ben là, là ça va être des fruits à gogo. Attends, les vitamines, là, parce que c'est pas avec des produits chimiques hein, que les fruits vont pousser. Hein. Donc, c'est avec les vitamines du Saint-Esprit. Hein? Voilà. Vous voilà avoir une mangue qui pèse 30 kilos. Tu prends la mangue comme ça du Seigneur, mais vraiment. Oh. Alléluia. Wow. Le jour du Mashiach. Ah oui. Et son gouvernement sera établi à Jérusalem. Et dans Ésaïe 1, 26, vous notez tout ça. Le Seigneur a dit, je rétablirai tes juges comme ils étaient autrefois. Donc en fait, dans ce royaume, c'est le rétablissement des juges. Voilà, donc on va gouverner comme ça, là, comme à l'époque des juges, le livre de juges. Voilà. Et c'est un jour glorieux, le jour de Yahweh, jour terrible, frères et sœurs. Sophonie en parle aussi, vous lisez Sophonie par rapport au jour de Yahweh. Hein? Paul parle de jour du Mashiach dans 2 Thessaloniciens 2. C'est le même jour. C'est le soleil qui va se lever. Et là, c'est la joie éternelle. On ne va plus vieillir. C'est fini. Fini l'arthrose. Fini l'incontinence urinaire. Fini les maux de tête. Fini les ronflements. Fini tout ça, mes amis. La saleté. Fini la transpiration. C'est fini. La même robe, on l'aura pour l'éternité. Je ne sais pas si ça va changer de couleur, mais je crois qu'il y aura plusieurs... Ouais. Waouh. 1000 ans après, Satan va être relâché. Ça, vous le savez. C'était juste un rappel. Il va séduire encore les habitants de la terre. Qui? Ben, les gens du royaume. Mais pas nous. Certainement, les enfants qui vont naître dans ce royaume. Voilà. Il va gagner beaucoup, malheureusement. L'humain est quand même terrible. Hein? Et ils vont être pris et jetés dans les temps de feu. Et là, après... Il va réveiller maintenant tous les morts de tout le temps. Les impies, en commençant par le premier, Caïn.
Ça, c'est Apocalypse 20, à partir du verset 11. Le jugement du grand trône. Ils vont être jugés, chacun selon ses œuvres. Et des livres seront ouverts. Il y en a plusieurs. En fait, dans ces livres-là sont consignés tous les actes des humains. Et c'est chaud. Vous savez que le mot livre, ici, veut dire c'est biblos, c'est Bible. Donc, il y a la Bible de vie, le livre de vie, et la Bible ou les Bibles des actes d'impiété des humains. Bah oui. Et ils vont être jugés, petits et grands. On nous dit que la mort et l'enfer ou le Hadès seront, vont rendre les morts qui sont en eux. Et eux deux là, vont être jetés dans l'étang de feu. Et tous les morts jugés et jetés dans l'étang de feu. Et là, c'est fini. Et là, la terre sera détruite. Le ciel actuel sera détruit. Et selon Ésaïe 66, selon 2 Pierre 3, il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Et là, la belle ville va tomber, va descendre du ciel, pardon. Et là, ben, on va rentrer là-dedans, là, mes amis, c'est fini. La boucle est bouclée. Fini. Nous sommes sortis de l'éternité, nous revenons à l'éternité. Et là, l'éternité de fête. Là, je vous assure, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Plus de Satan, plus de démons, plus d'angoisse. Et on va visiter maintenant toute la création du Père. Et déjà, vous devez savoir que l'éternité n'est pas suffisante pour visiter tout ce que le Père a fait. Tout ce qu'il a créé. Ben oui. On pense qu'on ne va pas s'ennuyer. On ne va pas s'ennuyer. Déjà, l'éternité ne sera pas suffisante pour découvrir totalement le Père. Parce que le Père est mu. C'est la révélation. D'ailleurs, la parole le dit dans Éphésiens 3. Yahushua est la sagesse infiniment variée. On dit infiniment. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quelque chose qui n'est pas fini, tu ne pourras pas l'avoir de manière définitive. Il est tellement haut que si tu montes, il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de limite. La hauteur. La profondeur, il n'y a pas de fond. Tu tombes en lui, il n'y a pas de fond. Toute l'éternité ne fait que tomber. Et en tombant, tu découvres des facettes du Père. Tu cries. Voilà pourquoi les anges le savent se dire Saint, 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 Saint. Alléluia! Alléluia! Wouh! Vous voyez un peu? Et quand tu vois dans la largeur, dans la longueur, tu vois dans la longueur, il n'y a pas de limite. Oh, 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 oh. C'est comme s'il y a plusieurs compartiments et à chaque fois tu avances, mais c'est pas fini, mais il y a un autre encore, il y a encore, tout le temps. Mais la parole le dit, non? Il est insondable. Comment que quelqu'un qui est insondable, vous ne pouvez pas vous rassasier de la personne qui est insondable. Quand on mange du riz parce qu'on a faim, n'est-ce pas qu'à un moment donné, on n'en veut plus? Mais le Seigneur est le pain de vie quand on le mange, c'est tout le temps. Parce qu'en le mangeant, tu découvres d'autres choses. Puis c'est pas possible. Mais cet aspect-là. Voilà pourquoi quand il pose la question aux apôtres, qui suis-je, moi, le fils de l'homme, au dire des hommes? Ben, la réponse n'était pas facile. Ah ben, je vous dis. Ils ont donné plusieurs réponses. Ils ont dit Élie. Pourquoi? Parce que quand il prêchait le lundi, on disait c'est Élie. Le mardi, il vient, il prêche, on dit non, c'est Jérémie. Le mercredi, il prêche, on dit c'est Sophonie. Le jeudi, il prêche, on dit non, c'est Joël. Le vendredi, il prêche, on dit non, mais là, c'est bizarre, c'est Ézéchiel. Le samedi, il prêche, on dit mais c'est bizarre, là, c'est Malachi. Le dimanche, il prêche, on dit mais c'est bizarre, mais là, c'est compliqué, ça. C'est pas possible, c'est Esaïe. Et le Père a aidé Pierre. Il ouvre les yeux et il dit, en fait, tu es le Machia. Ah! Alléluia! Acclame-le! Alléluia! Waouh! Seigneur! L'insondable! Vous comprenez pourquoi nous vous disons, ne venez pas vers nous. Est-ce que vous comprenez ça maintenant? Ben oui. C'est, ben, bien sûr. Vous ne voyez pas que déjà la Bible que nous avons là, depuis que vous la lisez, est-ce que ça vous fatigue? Vous comprenez maintenant? Vous lisez depuis 30 ans le même verset. Le même verset, mais waouh!
Je comprends ça autrement. En aucun cas, il y a même des gens qui ont... Nous avons tous lu pratiquement la Bible de Dieu à la fin, non? Mais pourtant, on est encore en train de lire. Waouh! Oh, je méditais cette parole, mais j'ai eu une illumination. Je vous assure. On dit, bah, c'est bizarre, il a enseigné sur l'enlèvement de l'église. Mais aujourd'hui, il enseigne, c'est différent. Mais pourtant, il enseigne la même chose. Mais maintenant, quand on sera face à face. Hein? Ah! Face à face. Quand on le verra tel qu'il est. Arrête comment là? Vous comprenez pourquoi Satan est jaloux de nous? Parce qu'il a goûté à tout ça là. Hein? Vous comprenez pourquoi Marie, Myriam ne voulait pas un autre endroit que les pieds du Seigneur? La femme qui perdait son sang, qui avait tout dépensé. Elle n'avait pratiquement plus rien, mais un jour, elle a entendu parler de la parole. Et elle a eu la foi, car la foi veut de ce qu'on entend. Et elle s'est dit, si je touche seulement le pan de sa robe, je n'ai pas besoin de voir son visage pour être guéri. S'il est Yahweh Rapha, en touchant seulement son vêtement, je serai délivré, sauvé. Elle est venue par derrière. Elle a touché seulement le pas. Elle a vu sa robe. Parce que quand le maître marchait comme ça, il y avait la traînée de la robe. Vous voyez, frère, c'est le roi. La robe royale. La femme touche seulement comme ça. Personne ne l'a vu. Hein. Alors que les autres voulaient être vus par le Seigneur pour se présenter. Moi, je donne beaucoup. Moi, je... Mais elle a touché seulement. Tac, d'un seul coup. Et le Seigneur s'est arrêté. Elle n'a pas touché son pied. Son corps. Juste sa robe. Et le Seigneur s'est arrêté. Elle dit, non, qui m'a touché? Il le savait. Le maître, c'est toute chose. Frère, est-ce qu'on peut lui faire des bisous, s'il vous plaît? Yeshua, Jésus, prends notre adoration, s'il te plaît, Seigneur. Nous, vous voyez pas que la soeur d'amour nous remplit ce soir, la frère et soeur? Ouf, alléluia, alléluia. Waouh, Seigneur. Oh oui, prends nos bisous ce soir. Oui, Seigneur, alléluia, prends toute la gloire. Il est tellement beau, mes amis, il est tellement beau. Tellement beau, il est. Nous voulons vraiment nous incliner pour qu'il soit loué, qu'il soit magnifié, frères et sœurs. Nous voulons vraiment nous rappeler à quel point c'est lui qui est notre Dieu, notre Elohim, notre Eloah, notre Elohim, notre Sauveur, notre Elohim. Ouais. Oui. Il faut qu'on se le dise, que c'est lui qui est notre créateur, que c'est lui qui est notre maître, que c'est lui qui est notre sauveur. Nous ne voulons personne d'autre. Dans ce ministère, Seigneur, nous déclarons que c'est toi que nous voulons élever, c'est toi que nous voulons magnifier, c'est toi que nous invitons, c'est toi et toi seul, Seigneur. Oh, Seigneur. Elohim, Adonai, El Shaddai, El Elyon, nous présentons ton être, nous présentons ta personne aux nations. Nous présentons l'évangile que tu es aux nations. Voici le roi. Voici l'agneau. Voici le lion. Voici Yeshua. Voici Jésus de Nazareth. Voici le Seigneur. Voici Yeshua Messia. Oh, alléluia. Oh, quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce d'entendre ces choses. Quelle grâce d'entendre parler de la nouvelle Jérusalem. Quelle grâce. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Enflamme-nous. 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 Enflamme-nous, Seigneur. Par ton amour, Père. Par ta parole. Par ta vérité, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, les guerriers, les guerrières, les défenseurs de la vérité, de la sainte doctrine. Alléluia. Tu as reçu ce mandat pour défendre la vérité, pour prêcher le Messiah. Tu as reçu ce mandat. Alléluia. Oh, alléluia. Vaillant guerrier, dit le Seigneur, défends la vérité. Alléluia. Oh, Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Adonai, notre roi, notre père, notre sauveur.
Alléluia, Adonai, roi des nations, roi d'Israël, roi de rois, le maître de maîtres, celui qui a vaincu le serpent, celui qui a vaincu le dragon, celui qui a vaincu le péché, celui qui a remporté la bataille, qui a remporté la victoire, celui qui a dit tout est accompli, celui qui a dit oui, amen. Oh, alléluia, le fidèle. Alléluia. Que des chaînes soient brisées encore ce soir. Que des chaînes soient brisées encore ce soir. Il est en train de briser des chaînes de famille. Il brise des chaînes familiales. Il brise des liens familiaux. Il brise la mort. Il brise la peur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Tu as reçu ce mandat pour faire sa volonté. Pendant des années, tu es resté caché. Maintenant, c'est le temps de se lever pour lui encore. C'est le temps d'ouvrir ta bouche pour pouvoir parler de toutes ces merveilles que le Père t'enseigne dans le secret. Tu dois les mettre, tu les mets par écrit pour pouvoir avertir les gens, pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire au Seigneur. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Nous bénissons ta Seigneurie, nous bénissons ton nom et nous acceptons ta royauté dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous t'invitons dans nos vies, Seigneur. Oh, alléluia. Waouh, Seigneur. Magnifique. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant, le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yehoshua, le roi, Adonai, Yehoshua. Oh Adonai, il est puissant, le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yehoshua, le roi, Adonai, Yehoshua, le roi. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bon courage. On se retrouve demain, si le permet.